Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance intemporelle et générale avec les petits messages qui fusent, qui fusent. Donc comme à notre habitude, je vais vous présenter les oracles que j'ai utilisés pendant cette vidéo qui peut s'adapter à tous les domaines de votre vie. Comme vous savez, celle-ci, je l'ai fait, je ne sais jamais trop quand est-ce que je vais les faire, mais quand elles doivent tomber, elles tombent. Donc c'était aujourd'hui. Là, je vous présente rapidement les oracles que j'ai choisis. Donc on commence la petite guidance avec le petit oracle mission de vie et un petit message donc de cet oracle. Ensuite, j'ai utilisé aussi l'oracle de la main intuitive. J'ai utilisé l'oracle Indira. J'ai utilisé aussi donc l'oracle le jeu de votre destin. J'ai utilisé le grand oracle français. J'ai utilisé l'améthyste Love, le Modern Witch Tarot, l'oracle des miroirs. J'ai utilisé aussi l'oracle du petit enchanteur, pardon. Je ne sais pas si vous le voyez, là vous le voyez. J'ai utilisé aussi donc le grand oracle de l'amour. Le petit oracle des anges, le Béline revisité, l'oracle au quotidien. J'ai utilisé aussi les réponses angéliques, communiquer avec son ange gardien. J'en ai utilisé beaucoup aujourd'hui. J'ai utilisé aussi pour communiquer avec ses défunts. On a deux magnifiques messages avec cet oracle. L'oracle des Médéores. L'oracle la lunologie que vous avez là. J'espère que ça ne va pas se casser la figure. Et bien évidemment, les portes de l'intuition. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour cette guidance intemporelle, générale, avec beaucoup de messages, de beaux messages qui fusent. Allez, c'est parti, on commence tout de suite cette guidance intemporelle et générale et on commence avec un petit message de l'oracle mission de vie pour voir un petit peu ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent et de nouveaux défis et merveilleux cadeaux. Donc là, tout de suite, la première énergie, hein, c'est que y a une étape qui a été passée. On est sur quelque chose de complètement nouveau. Et on est surtout sur une étape que vous avez franchie avec succès. Donc moi, ce que ça me dit, là, tout de suite, quand je regarde par rapport à cette carte, c'est un virage dans votre vie, quel que soit le domaine, mais surtout avec cette notion d'étape supérieure, pour moi, c'est comme si on allait aussi passer à la vitesse supérieure. Donc, on va regarder ça, je vais prendre un oracle, on va regarder ça tout de suite, mais vraiment, c'est la première énergie que j'ai sur vous, et on va commencer avec le petit enchanteur pour changer, et on va voir ce qu'on a par rapport à tout ça. Allez, c'est parti avec le petit enchanteur. La stabilité. Donc, déjà, dans cette étape, il y a une assise qui va se préparer pour vous. Pour moi, cette nouvelle étape, c'est quelque chose que vous avez attendu pour pouvoir vous stabiliser, pouvoir vous projeter dans votre futur, dans vos projets. Ça, c'est quelque chose qui ressort pour moi. On va regarder la suite. Cette assise, quelque chose que vous avez espéré, hein. En plus, là, vous avez au milieu de la carte de la stabilité une étoile, hein, qui représente quand même l'espoir. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a pour vous. Chercher comme d'habitude l'éclosion. Donc vraiment l'éclosion, c'est quoi, hein? C'est cette stabilité en éclosion, c'est ce nouveau départ, c'est quelque chose où vraiment on va aller vers cette nouvelle étape de votre vie, quelque chose qui est en éclosion, donc c'est peut-être pas encore tout à fait visible,
ou encore tout à fait concret dans la matière. Hein. C'est quelque chose qui a encore besoin de grandir. Mais pour moi, on est sur cette nouvelle étape plus stable dans votre vie. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Hop là. Le trésor. C'est quelque chose qui, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore visible. Regardez la carte du trésor. Vous voyez, hein, on voit que le trésor est bien caché dans une boîte. C'est vraiment quelque chose que vous avez attendu ou que vous attendez encore jusqu'à maintenant, qui n'est peut-être pas encore visible, mais c'est quelque chose de précieux. Et on vous dit que cette stabilité est précieuse pour vous et qu'elle arrive, même si aujourd'hui, vous ne pouvez que l'entrevoir ou la deviner, même si elle n'est pas encore concrète dans la matière. Donc, on va regarder l'éclosion, s'il vous plaît. Un petit message supplémentaire par rapport à cette éclosion. Ouais, l'étape supérieure, le chemin parcouru. Donc, là, on vous parle quand même d'un chemin qui a été long, qui vous a demandé des efforts. Alors, attendez, il y en a deux qui tombent. On a l'introspection. Donc, pour moi, c'est en rapport avec cette notion de trésor, de choses cachées. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous attendez intimement. Donc ça, c'est là. Et on vous dit, hein, une introspection suite à une blessure, suite à un rejet, suite à quelque chose qui a été compliqué pour vous. On va remettre une petite carte par rapport à cette blessure, là, qui n'est pas encore tout à fait cicatrisée, qui vous a demandé peut-être une période de repli. Mais on passe à l'étape supérieure. La blessure, elle est aussi en lien avec cette notion de chemin parcouru, hein. Et on vous dit, vous êtes exactement au bon endroit et au bon moment. Donc, il n'y a rien à regretter. Tout ce qui était là sur votre chemin était là pour une raison. D'accord? Vous rechargez les batteries suite à cette blessure. Donc, on est sur une guérison. Une guérison par rapport à une étape qui a été compliquée. Mais on vous dit que tout était parfait. Que c'était l'orchestration parfaite pour vous. C'était important que ça se passe comme ça. On a vraiment l'impression que si les choses n'avaient pas pris ce chemin, on ne pouvait pas vous mener là où vous deviez aller. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, surtout, il n'y a pas de regret. Même les étapes compliquées étaient nécessaires pour vous. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. L'orientation. L'orientation, là, vous allez savoir exactement là où vous devez aller. L'orientation, vous voyez, c'est une boussole. Donc, on vous dit, hein, la boussole, elle va vous mener là où vous devez aller. Et on est sur quelque chose qui rejoint cette énergie de « vous êtes au bon endroit au bon moment ». Pas d'inquiétude là-dessus. L'étape, vous voyez? Là, c'est la carte de l'étape. Ici, on vous parlait d'étape supérieure et là, on vous parle encore d'étape. Il y a un pas de plus qui est fait et qui vous amène là où vous devez aller. Donc, on est vraiment sur cette notion de nouvel étage dans votre vie, nouvelle étape qui se concrétise pour vous. Donc, on va regarder la suite et on va regarder avec celui-ci. On va voir ce qu'on a. Donc, si vous sentez qu'il y a un changement qui se prépare, même si vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de lui donner un nom, hein, peu importe, on vous dit, vous êtes sur cette nouvelle étape. Ça, c'est une réalité. OK? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a avec l'oracle. Les médéores. Hop, on va voir ce qu'on a pour vous. Un choix à faire. Un choix à faire suite à des combats. Alors, ça peut être pour certains un choix compliqué. Ça peut être pour certains une dualité par rapport à un choix à faire. Mais on vous dit que cette étape, même si elle est précédée d'un choix qui peut qui peut vous mettre dans une forme de dualité, on vous dit qu'il faut y aller. On vous dit qu'il y aura des choix importants à venir pour vous. Alors, on va regarder. Pour certains, il peut y avoir une lutte avec d'autres personnes. Hein, d'accord ? On vous dit de lâcher prise sur certaines choses. Donc, de toute façon, le choix, il faudra le faire, mais en ayant reposé un petit peu le mental et les émotions pour pouvoir faire un choix éclairé, plein de discernement. Allez, on continue. On va voir ce qu'on a. Hop là, il y en a une autre qui saute.
L'enfant intérieur. Donc là, quand on vous parle de l'enfant intérieur, on est en train de vous dire de lâcher prise sur certaines obligations ou en tout cas un contexte qui vous a peut-être, comment dire, un petit peu embrumé l'esprit par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Donc quand on vous donne l'énergie de l'enfant intérieur, on vous demande de revenir en introspection, c'était l'énergie qu'on avait tout à l'heure, pour pouvoir faire les choix qui sont en véritable résonance avec vous-même. Hein, d'accord? Donc on ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, on va au fond de soi et on fait les choix. Alors, je vais essayer de rajouter une petite carte sur la notion de choix, justement. On va voir ce qu'on a par rapport à ces choix, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir encore des informations sur cette notion de choix à faire? Attendez, elle est tombée. Choix à faire, vous avez quoi dessus? La réponse déjà en soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette notion d'enfant intérieur. La décision à prendre, les décisions à prendre pour vous doivent être en résonance avec cette clé que vous avez en vous. Donc, c'est important, ça va être important pour vous de faire un choix en résonance avec ce qui résonne en vous, hein, surtout. Hein. On va regarder cette carte du combat aussi, on va regarder ce qu'on a par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, l'heure du choix a sonné pour beaucoup. Pour passer à cette étape, il y a des choix à faire. Ok? Donc, choix important. Choix qui vous amène à dans une direction. Qu'est-ce qu'on a? Protection et réalisation. Donc, même si ça a été quelque chose, ou que c'est encore quelque chose voilà, hein, qui vous oblige à être dans un combat, que ce soit avec des personnes face à vous ou un combat intérieur, on vous dit que derrière, il y a la protection et la réalisation. Donc, pour moi, même si cette étape, ce chemin parcouru, vous a demandé, voilà, hein, chemin, le parcours du combattant, j'ai presque envie de vous dire, on vous dit que derrière, il y a des réalisations et vous allez pouvoir vous déployer. Hein, parce que là, vous voyez, c'est la chenille qui devient papillon. Hein, donc, on est sur quelque chose de positif, même si ça passe par des secousses. Alors, on va mettre une petite carte sur le lâcher-prise. On va voir ce qu'on a par rapport à ce lâcher-prise. Hop. Alors, attendez. Désintérêt, oubli. Là, on vous dit, avec la carte, désintérêt, oubli et chakra de la gorge, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Ok. On vous dit que on doit lâcher prise par rapport à un moment donné où vous avez été mis de côté. Pour moi, ça, c'est ce qui ressort. Et on vous dit que vous allez pouvoir, par la suite, vous exprimer et faire votre choix. Donc, pour certains, quel que soit le domaine, notion de « j'ai été mis de côté », on ne vous a pas laissé vous exprimer par rapport à ce que vous souhaitiez. Et on vous dit de lâcher prise sur tout ça, de vous revenir en introspection pour faire les choix qui sont utiles à votre vie. Il va falloir vous écouter, vous, hein, vraiment. Hein, on est sur quelque chose où on vous demande de faire des choix en fonction de ce qui résonne en vous. Donc là, on peut avoir pour certains des personnes qui vont essayer de vous de vous influencer, pardon, dans les choix à venir. On vous dit par rapport à ça, notion de rancune par rapport à la lignée familiale. Alors, lignée familiale, pour moi, ça peut être aussi un clan, ça peut être des liens importants. Donc, je pense sincèrement pour beaucoup, quel que soit le lien avec les autres personnes, il y a eu des désaccords importants. On dit quelque chose qui vous a laissé peut-être en fâcherie. Moi, j'ai l'impression que les rancunes, elles sont liées à cette sensation d'avoir été mis de côté. Hein, d'accord? Et on vous dit que par rapport à ça, de toute façon, là, l'important, ça va être votre choix. C'est pas vraiment ce que les personnes ont fait ou pas fait. Ça va être votre choix qui va être important. Alors, attendez. Ouais, regardez, la croisée des chemins. On est sur cette notion de choix. C'est ce que je vous disais. Un choix important qui se présente à vous. Et on vous demande vraiment de le faire en résonance avec votre fort intérieur. Ok? C'est ça qui va vous faire passer à l'étape supérieure. C'est le choix qui résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra du cœur, vous voyez? On est sur quelque chose où on vous demande de vous écouter vous et uniquement vous. Pour certains, il va y avoir des personnes qui peuvent essayer de vous perturber en vous disant « à ta place, je ferai comme ci, à ta place, je ferai comme ça » et on vous dit « attention, la seule personne qui doit aujourd'hui faire ce choix, c'est vous ». Donc, c'est très important pour la suite. On vous le dit, on vous le redit. Donc, à vous de voir, mais vraiment, il y a cette notion de choix qui va être très importante.
Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, on va prendre le Béline revisité, on va voir ce qu'on a sur cette notion de choix. Allez. Allez, l'étape supérieure, le choix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Notion de choix. La réponse est en vous, hein. La réponse est en vous et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant était juste. Même si c'était inconfortable, désagréable, on vous dit que c'était juste. D'accord? Ça fait partie de l'orchestration parfaite. Donc, c'est jamais pour rien. La méchanceté. Donc, on vous dit, hein, quelque chose où il y a eu autour de vous des manipulations, des méchancetés, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sensation d'avoir été mis de côté, des rancunes, quelque chose qui vous a porté préjudice. Donc, on va regarder la suite. On vous dit que ça, c'est clair. Hein, parce que vous voyez, même sur la carte de méchanceté, vous avez une lanterne. Hein, donc, tout vient à point. Et on vous dit derrière, il y a un éveil qui se fait. Il y a des bénédictions qui arrivent avec la carte de la grâce. Donc, on passe de la méchanceté à la grâce. Donc, pour moi, vous sortez de cette situation compliquée qui a été ouais, liée à des disputes, à des désaccords, à quelque chose de qui vous a obligé à être dans une forme de combat. Pour certains, il peut y avoir eu aussi des questions juridiques. Hein, d'accord? Oups là, qu'est-ce qui sort là? Attendez, elle s'envole. La trahison. Bon, écoutez, moi, j'ai vraiment ce ressenti que après des coups dans le dos, il y a des choix à venir pour passer à l'étape supérieure. Alors, on va regarder. On va regarder parce que on vous dit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des médisances. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en équilibre avec la carte de l'union, l'union sur la méchanceté. Alors, il peut y avoir aussi des liens avec des personnes qui ont été, qui n'ont pas été honnêtes, ça d'accord. On va regarder la carte de la bénédiction. Mais voilà, vous sortez d'un tunnel pour moi, hein. Vous sortez d'un truc qui a été compliqué, la grâce, la sagesse. On vous dit que vous allez, par rapport à ça, prendre des décisions avec sagesse. Donc, on est vraiment sur ce truc où on vous demande de prendre des décisions qui vous ressemblent. Et on vous dit que dans les unions à venir, alors quel que soit le domaine, vous allez y mettre ouais, de la hauteur pour moi. D'accord? Notion de repos, notion de guérison, notion de quiétude, besoin de se ressourcer suite à des conflits, suite à peut-être des démarches juridiques importantes pour certains d'entre vous. On vous dit, hein, des trahisons, ça tombe sur la trahison de la famille. Tout à l'heure, on avait la rancune et la lignée familiale. Donc, peut-être des rancunes, des trahisons, des déceptions par rapport à des liens forts, même si ce n'est pas la famille de sang. Mais on vous dit que de toute façon, il y a un recul qui va se faire pour vous. Et vous allez retrouver des repères, d'accord? Vous allez retrouver une stabilité, c'est la première énergie qu'on avait. Donc, on va juste rajouter quelques cartes et après, on va passer à un autre oracle. Mais vraiment, c'est cette sensation de je sors de la machine à laver là, à 90 degrés. Donc, quelque chose qui vous a bien secoué. On vous dit, on vous redit que c'est quelque chose qui était nécessaire. C'est quelque chose qui vous a permis de faire tomber des masques. Mais aussi d'affiner ce que vous souhaitez pour vous stabiliser dans la vie. Hein. On a l'impression que pour certains, vous étiez ouais, un équilibre qui était faux en fait, hein. Quelque chose qui n'était pas, si positif que ça. Peut-être sécurisant en apparence, mais qui n'était pas si positif que ça pour vous. Alors, on va regarder la suite. Il y a une fin de quelque chose. On dit qu'on a, avec la carte de la fatalité, on a atteint des limites. On est sur une transformation importante. Alors, une transformation importante. Transformation importante et un départ, nouveau départ, un nouvel envol, une nouvelle direction. C'est ce qu'on vous disait avec la notion d'étape supérieure. On laisse des choses derrière soi et on avance vers autre chose. Nouveau départ qui est plus qu'important, hein. Il est nécessaire et on vous dit que c'est quelque chose qui vous apportera la reconnaissance, la satisfaction que vous attendez. Donc, un choix à faire pour quitter une situation, un choix à faire pour pouvoir mettre en place un nouvel envol.
Donc on est vraiment sur quelque chose avec cette étape supérieure qui vient suite à un parcours du combattant. D'accord? Allez, on continue. On va voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Là, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Le choix, encore, hein. Donc notion de choix, vraiment, c'est l'énergie qui ressort. Le choix ressort beaucoup. Donc notion de choix, il faut trancher. Il faut trancher en résonance avec ce que vous avez en vous, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce choix? Ça peut être n'importe quel domaine, hein, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste, mais pour moi, il y a un choix. Une direction à prendre, hein, d'accord? Un nouvel envol. Là, on en a deux. Le compromis, l'enfant. Alors, l'enfant, nouveau départ, ça peut être un compromis par rapport à des enfants pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi cette énergie qu'on avait par rapport à cet enfant intérieur. Ça peut être en lien avec une lignée familiale ou avec un clan. Mais en tout cas, notion de nouveau départ et notion de quelque chose qui est en lien avec ce qui résonne en vous. Quelque chose qui vous permet de renaître aussi, hein, parce qu'on est sur un retour de l'innocence et de nouveaux projets. Ça, c'est quelque chose, on a vraiment le ressenti qu'il y a de nouveaux projets à venir pour pouvoir évoluer. Vous voyez, on est encore sur cette notion d'étape supérieure. Le choix à faire, des compromis à trouver par rapport à un nouveau départ, par rapport à une évolution, évolution d'un projet, évolution par rapport à des enfants, par rapport à à une lignée, à des liens. Mais pour moi, on est sur un choix à faire pour évoluer. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, je vais essayer de les remélanger un petit peu et après, sinon, j'irai les chercher moi-même. Voyez, un choix par rapport à notion d'hérédité. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être les liens du sang, ça peut être quelque chose avec une notion de clan, de lien, mais il y a des choix à faire par rapport à un entourage, par rapport à quelque chose qui est lié au passé, à votre contexte de vie. Un compromis à trouver par rapport à une distance, par rapport à une hauteur, hein, donc on est sur quelque chose avec, comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être des liens à couper aussi, hein, d'accord? Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Pour certains des déplacements, hein, compromis à trouver pour pouvoir faire évoluer une situation, mais ça peut être aussi par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose que vous devez régler qui est peut-être en distance aujourd'hui avec vous. Donc ça peut être quelque chose qui est lié à une autre région, à un autre pays, peu importe. Ça dépend de vous, de ce que vous vivez aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le temps. Alors moi, pour moi, par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau départ, c'est ce qu'on vous disait en début de guidance avec le premier message. C'est quelque chose qui a été attendu. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un projet qui a eu une gestation assez longue. Et cette gestation longue, elle est liée pour moi à ces choix qui ont été compliqués. C'est-à-dire que peut-être que vous avez repoussé aussi hein, un choix. Quelque chose qui, voilà, qui n'était pas simple pour vous, mais on vous dit que le temps fait son œuvre et que ce projet va voir le jour. Donc que ce soit une nouvelle vie ou autre, on vous dit quelque chose qui va être recadré, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a une évolution qui se fait et pour certains, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre du légal, du papier, quel que soit le domaine professionnel, sentimental, matériel, il y a quelque chose qui va peut-être être officialisé ou régularisé au niveau de ce que vous vivez et de ce qui vous a peut-être tétanisé là. OK? Hop là, qu'est-ce qu'on a? La santé, donc santé, notion de c'est le fait d'examiner une situation, c'est le fait de guérir de quelque chose, ça peut être pour certains, avec l'hérédité et la santé, ça peut être quelque chose comme ça qu'il y ait un choix vis-à-vis, comment dire,
Comment vous dire ça? Ça peut être quelque chose qui est lié avec une situation qui vous a rendu entre guillemets malade, d'accord? Donc il y a peut-être un choix par rapport à ça ou un choix par rapport à une guérison, par rapport à une histoire passée qui fait partie de votre histoire, hein, de votre histoire personnelle, d'accord? Alors, on va regarder encore par là. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on va se mettre autour d'une table pour discuter des décisions à prendre, des décisions qui doivent vous amener la guérison. Donc, on table sur quelque chose, on fait table rase du passé, mais on met aussi carte sur table, c'est le cas de le dire. Donc, on est sur quelque chose où il y a des décisions qui vont être prises. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Donc, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Alors pour certains, hein, décision, alors réunion, séparation, donc ça peut être pour certains, comme je vous disais, hein, un endroit que vous quittez. Ça peut être pour certains, on casse avec une lenteur, une routine pour partir sur de nouveaux contextes. Hein. Pour certains, vraiment, il va y avoir de nouveaux départs. De nouveaux départs. On vous dit que c'est quelque chose qui est attendu. La séparation et le rêve. Pour moi, c'est quelque chose dont vous avez besoin ou envie de vous débarrasser. Alors, ce n'est pas forcément une personne, comme je vous dis, ça peut être une situation, ça peut être un contexte, mais vous avez besoin de passer à autre chose pour pouvoir vous réaliser hein, et partir sur un nouveau départ. Vraiment, nouveau départ suite à un choix et vous laissez quelque chose derrière vous. Quelque chose, quelqu'un, un contexte, peu importe. Comme je vous ai dit, ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être quelque chose qui est lié à la famille, au lien du sang. Mais vraiment, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a une page qui se tourne. Ça, pour moi, c'est clair. Donc, on va regarder la suite et on va prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le grand oracle. Pas longtemps qu'on ne l'a pas pris. Allez. On va regarder ce qu'on a. Avec le grand oracle français. Alors celui-ci, hein, je vous le redis, hein, je le mélange un petit peu et après je prends les cartes parce que sinon il est vraiment trop lourd. Après celui-ci de toute façon. Hop là. Allez, ça y est, je coupe. Et je pose et on regarde. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce choix qui vous amène à une étape supérieure? Donc, avec la carte de l'évêque, on est sur quelque chose avec une situation. Il faut trancher. L'évêque, c'est la notion d'autorité, de hiérarchie. Ça peut être vous, l'évêque. C'est-à-dire que ça peut être vous qui devez trancher. Pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir quelque chose en rapport avec quelque chose d'officiel. Quel que soit le domaine, et on vous dit hein, la réflexion, on étudie quelque chose, on est dans quelque chose où on réfléchit à un choix à venir. Notion d'été, ça peut être quelque chose qui a commencé sur l'été dernier ou pour cet été. En tout cas, c'est quelque chose qui a une énergie d'apogée, hein, d'accord? La saison de l'été, c'est l'apogée. Donc, une réflexion qui est arrivée à son apogée pour moi. Alors, la femme en lien par rapport à une femme pour une femme. D'accord? Donc une décision. Une décision qui vous sort de la clôture. La clôture, c'est l'enfermement. Donc il y a une décision pour une femme, par rapport à une femme, pour sortir d'un enfermement. D'accord? On vous dit, encore une fois, qu'on se met en observation avec la carte de la tour. Donc on est sur quelque chose où on est en train de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui nous enfermait. On va regarder la suite. Donc, une décision qui est prise avec sagesse, avec réflexion. Hein, on rejoint cette énergie qu'on avait déjà tout à l'heure. On vous dit hein, quelque chose où il peut y avoir eu pour vous des préjudices. Et puis, quelque chose qui revient à l'esprit, comme ça, avec la carte de la roche et les corbeaux. On a vraiment l'impression que ça vous a bien fait cogiter, cette notion de médisance ou de complot, de trahison. Notion de foyer, notion de nid, donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, notion de famille, mais vraiment, ça peut être notion de clan. Hein. Donc, un clan, ça peut être une appartenance professionnelle ou peu importe, mais il y a quelque chose comme ça où vous avez été ouais, lésé et puis
Vous êtes obligé de changer de nid, j'ai presque envie de dire. Regardez, je vous dis ça, et derrière, il y a la mort, il y a la fatalité. On change, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ, et ce nouveau départ, c'est quelque chose qui doit vous sortir de la nonchalance. Avec la carte du ruisseau, on est sur quelque chose qui avait été ralenti. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a des projets qui ont été ralentis. Et voyez, vous avez l'ailleurs. On change de décor. Il y a un choix qui se présente à vous. Cette étape supérieure vous amène à un nouveau décor. Elle vous sort de quelque chose où vous avez été lésé. Ça, c'est clair. La fuite, l'échapper. On a besoin de quitter quelque chose. On ne vous dit pas que vous allez fuir comme un lapin de garenne. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez quitter ou que vous allez quitter. Quelque chose qui vous avait enchaîné hein, avec la carte des chaînes. C'est la soumission, c'est les obligations. On coupe quelque chose. Quelque chose qui a, avec la carte du lierre, qui a été très intrusif. Je vous dis, hein, ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être, je quitte une situation financière compliquée, je quitte une situation professionnelle compliquée, je quitte une situation sentimentale compliquée, mais c'est quelque chose qui vous avait enchaîné. Et là, taillot, taillot, comme on dit, hein, faut prendre ses clics, ses claques et partir. Quelque chose qui vous avait mis en adversité, quelque chose où il y a eu effectivement beaucoup de tensions, quelque chose avec notion d'intrusion. Donc vraiment, on ne vous a pas laissé vous déployer, on vous a saucissonné, si je puis dire. D'accord? On vous dit que beaucoup des décisions à venir, beaucoup de ce que vous avez vécu là, dans les décisions à venir, tout va venir du ressenti avec la carte du pendule. Donc vraiment, vous allez prendre des décisions en accord avec vous-même et du dedans. Hein. Et on vous dit que derrière, vous allez retrouver le goût des choses avec la carte du vin. Ça peut être aussi pour vous quelque chose qui est lié à une fête du calendrier, par exemple. D'accord? Donc, vous verrez en temps et en heure, mais voilà. Et on vous dit hein, quelque chose qui a besoin de guérir. Hein, parce qu'on a eu beaucoup cette notion de maladie. Alors, bien évidemment, hein, en voyance, on ne parle pas de maladie physique. On parle de mal-être. Et là, on est en train de vous dire que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Pour certains, ça vous a rendu, entre guillemets, malade, cette situation. D'accord? On vous dit qu'il y a un changement de direction avec la carte de la girouette. La girouette, elle part sur autre chose. Donc, on est sur ce changement, cette évolution qu'on vous donne en première énergie depuis tout à l'heure. Quelque chose avec une notion de renouveau qui peut commencer sur ce printemps, sur le printemps passé. Mais en tout cas, avec l'énergie de cette saison, on est sur un renouveau. On avait l'apogée, maintenant on a le renouveau. Et on a quelque chose qui vous permet d'engranger des biens. Avec la notion de grange, on est sur le patrimoine, on est sur les biens, on est sur quelque chose avec de l'abondance et de l'épanouissement avec la carte de la rose. Donc, changement de direction, évolution à une étape supérieure positive et nécessaire. Mais voilà, on vous dit bien, le choix, vous le faites par vous-même. Vous ne laissez personne faire le choix pour vous. Alors, attendez, on va prendre un petit tarot. C'était pas celui-là. C'est l'autre. Allez, un petit tarot. On va regarder ça ensemble. Ouais, l'étape supérieure, c'est un choix qui vient de vous et un changement de direction. Hein. Changement de direction à venir pour vous. Alors attendez, je les mélange un peu. Voilà. La reine, reine de coupe. Reine de coupe, quelque chose autour de l'émotion, quelque chose autour de la guérison, quelque chose qui vous permet d'avoir cette assise qu'on voyait en première énergie. Suite à des déceptions, suite à des douleurs avec le 3 d'épée, hein, vous le voyez, hein, le 3 d'épée, hein, avec les 3 épées qui sont en train de transpercer un cœur. On connaît des situations plus confortables que celle-ci. Alors, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. Besoin d'un rééquilibrage. Besoin de quelque chose avec cette notion de donner et recevoir avec un 6 de denier. C'est-à-dire que il y a un moment donné, ben, comme je vous le disais, vous avez pu être mis de côté, vous avez pu être dans quelque chose où vous avez été lésé. Mais là, aujourd'hui, dans votre recherche, vous êtes dans quelque chose avec une notion d'équilibre nécessaire. Hein. Il y a du donnant-donnant qui doit se mettre en place pour vous. Une force que vous retrouvez, une maîtrise que vous retrouvez, donc cette notion d'étape supérieure hein, qui vous attend. «
On sort d'une paralysie, c'est ce qu'on avait comme énergie tout à l'heure avec le 8 d'épée, vous la voyez, hein, la jeune femme, hein, saucissonnée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Saucissonnée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc quelqu'un qui est là, là, regardez, hein, vous la voyez, hein, elle n'a pas l'air d'être très à l'aise. Donc quelqu'un qui a été saucissonné, ok, bah écoutez, hein, là on a des chaînes à briser, on a des. On a toujours cette énergie de on passe à l'étape supérieure, mais pour ça, on se déploie, on quitte des situations paralysantes et on passe à une nouvelle étape. Donc, vous brisez des chaînes. Voilà, pour moi, un choix à venir pour vous, pour briser des chaînes. C'est ça que voilà, c'est on brise des chaînes. Là, pour moi, c'est ce qui ressort pour vous. Et on vous dit, on repart avec le cavalier, on est sur une énergie de mouvement et on est sur une notion d'abondance. Donc, on quitte une paralysie et on repart en mouvement pour quelque chose de bien plus abondant. Ok, on continue et on va voir ça. Mais ouais, on sort du saucissonnage. Hein. Ça, et pour ça, c'est un changement de direction. On va enfin pouvoir, avec le 9 de denier, récolter. Hein. Vous la voyez, la jeune femme, hein, elle est en train de récolter ses carottes, ses tomates. Donc, l'heure de la récolte a sonné. Décision de vous projeter et d'être sur un élan, hein, avec le valet de bâton. Donc on part sur une énergie, on sort de cette inertie, on sort de ce saucissonnage et on se remet en action. Hein. Avec les bâtons, on est toujours sur l'action, le feu, donc on est bon. Et il y a une guérison. Avec le 2 de coupe, il y a bien évidemment la guérison émotionnelle qui se met en place et on vous dit que vous retrouvez votre pouvoir avec la reine d'épée qui, elle, tranche et visualise l'avenir comme il est, hein, sans voile, sans filtre. Donc, elle passera, elle vous aidera à passer à l'étape supérieure après avoir bataillé, mais on est vraiment sur une notion de décision, de choix et on tranche, on tranche, on tranche. Après avoir bataillé, bien évidemment, pour trouver un équilibre. Je vous le redis pour certains, hein, notion de choses officielles. On tranche sur des choses officielles avec la notion de justice. Quelque chose qui n'a pas été simple. Hein, avec le 7 de coupe, on a eu des choix à faire. Ça, c'est clair et net. Quelque chose où on quitte avec la notion de tour, on quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a un avant, il y a un après. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains, le choix a été compliqué parce qu'on sait que avec le choix à venir, on est sur un avant et un après. Et on vous dit que ces choix, vous allez les faire avec sagesse, avec intuition, avec la carte de la papesse. Donc, on est sur quelque chose où votre savoir va vous aider. On va quitter quelque chose où on a été lésé, hein, avec le 7 d'épée, hein, notion de vol, de malhonnêteté. Hein, donc, vraiment, on quitte quelque chose qui a été compliqué. Et on se met en progression, en mouvement, en évolution avec la carte du chariot. Donc, vraiment, on quitte l'inertie. Vous faites le choix de quitter une inertie pour avancer à nouveau. Pour avancer à nouveau dans votre vie vers l'inconnu. Hein, d'accord? Donc, notion de choix important à venir. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre l'Indira. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. On va regarder ça. Alors, l'Indira, on va regarder. Celui-là, je vais pousser. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça tombe tout seul. Donc, on dit, hein, besoin d'équilibre. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le, je ne sais plus, je crois que c'était le 6. Le 6 de denier. Là, on est sur une notion d'équilibre et de confort à venir. D'accord. Besoin de s'accomplir, besoin de retrouver la réussite dans les projets. Quelque chose avec une avancée. Alors, bien-être financier pour certains, mais en tout cas, abondance à venir. Et puis, voilà, hein, notion de cavalier. Donc, on est encore sur de l'action. Hein, d'accord? On dit qu'il y a eu des retards. On vous le redit. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y a eu des retards. Il y a eu de la fatigue aussi. Hein, on vous parle de fatigue. Donc, vraiment, vous quittez une inertie. Vous faites le choix de quitter l'inertie et de passer à la vitesse supérieure. C'est cette première énergie qu'on avait par rapport à un homme, pour un homme. On vous dit quelque chose où vous avez besoin de retrouver quelque chose d'abondant et de protecteur. Donc, on vous parle de réalisation financière et on vous parle aussi de quelque chose avec des opportunités à venir. Alors, avec l'Indira, la datation
se fait avec les chouettes. Donc, on peut vous dire, par exemple, avec ces 7 chouettes, que c'est dans les 7 mois. Ça peut être juillet, mais moi, c'est surtout cette énergie de quelque chose autour de 6 mois. D'accord? Donc, 6 mois avant, 6 mois après, c'est quelque chose qui se joue sur un semestre pour moi. D'accord? Allez. On vous dit jalousie, méchanceté. On vous dit qu'il y a eu pour vous des choses compliquées. On vous dit qu'on ne vous a pas rendu les choses faciles. Mais on vous dit aussi, parce que c'est aussi la carte de la voyante, la carte de la sorcière, c'est aussi la carte de la voyante. On vous dit que vous avez quand même vu les choses venir. Vous voyez, on vous parle encore de gens qui ont voulu vous dominer. Avec la carte de la panthère, on vous parle de jalousie, on vous parle d'ennemis. Donc, il y a eu quelque chose comme ça où vous avez été saucissonné dans une situation et puis vous la quittez, cette situation. Vous partez sur autre chose. Un nouveau départ prospère à venir pour vous. Quelque chose qui va vous soulager, même financièrement. Hein, on vous dit, en tout cas au niveau de l'abondance, il y a quelque chose qui va vous soulager. Vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus léger. Vraiment, hein, cette notion, on est obligé de quitter un endroit, quitter une situation qui a été très compliquée. On vous dit quelque chose où il y a eu beaucoup de morosité et on dit qu'on va devoir trancher, on vous dit que ça vous a causé des tracasseries et on vous dit, hein, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une situation officielle. On vous dit que vous avez du recul à prendre par rapport à des tracas et cette décision doit être prise, mais moi je pense qu'elle est déjà prise. C'est juste il y a cet avant et cet après, c'est un petit peu compliqué, mais on vous dit allez vers cette étape supérieure parce que là l'endroit où vous êtes, ou en tout cas la situation dans laquelle vous êtes, il y a trop d'épreuves, il y a trop de malaise, il y a trop de malentendus, il y a trop de gens pas sympas, et on vous dit qu'il faut retrouver une harmonie. Alors, je vais mettre une dernière carte sur l'harmonie, là, et on va voir ce qu'on a. Des choix à faire. Vous voyez, la carte du 3, le 3 de chouette, c'est cette notion de choix à faire encore. On vous dit de nouvelles connaissances, on vous dit de nouvelles choses. Nouvelles connaissances, ça peut être bien évidemment les connaissances, entre guillemets, intellectuelles, mais c'est aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Donc, on change de décor. On change de décor. Vous voyez, je vous dis, on change de décor. Déménagement, voyage, changement. On est sur quelque chose où on laisse une situation, un contexte, un endroit derrière soi. D'accord? Allez, on va continuer avec l'améthyste. Et on va voir ce qu'on a. C'est tout domaine. Hein, d'accord? Donc, moi, je vous donne les énergies, hein, comme d'habitude. Ça fuse, ça fuse. Et après, vous calez, si ça vous parle, vous calez les énergies et les messages au domaine qui vous convient, hein, d'accord? Et après, ça peut vous parler pour plein de domaines différents, il n'y a aucun souci, c'est toujours le même procédé, hein, d'accord? Allez, on va les mélanger un petit peu. Attendez, il y en a deux qui sautent. Là, on vous dit quelque chose, comme je vous disais, hein, notion de contrat, de mariage, ça peut être bien évidemment du sentimental, mais ça peut être aussi notion de contrat, de situation légale, officielle. Et on vous dit qu'il y a des informations qui arrivent pour vous, pour les choix à venir par rapport à cette union ou à cette désunion. Ouais, il y a des choix. Message reçu. Donc là... La guérison, donc notion de guérison, oui, oui, on vous dit que vous allez guérir de cette situation. On vous dit que par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose qui doit se poser. Il y a un équilibre, un calme et une paix qui doivent revenir par rapport à une situation. Pour beaucoup, hein, je vous dis, une situation officielle, quel que soit le domaine. Quelque chose où vous devez retrouver aussi une forme d'intégrité. D'accord. Alors, on va regarder parce que c'est aussi la carte des amitiés. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. On vous dit quelque chose. Alors, il y a deux énergies pour moi par rapport à ça, hein, avec la carte de la magie et de l'amour envoûtant. Moi, j'ai l'impression que pour certains, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Mais on vous dit aussi que par rapport aux amitiés, il y a des choses qu'on pas, on vous a un petit peu... on a un petit peu essayé de vous hypnotiser, si je puis dire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? On vous dit que vous allez vous élever spirituellement. Donc... Action de s'élever à un niveau supérieur. Là, on vous dit que vous passez à une étape supérieure. Donc, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Une nouvelle étape. Une nouvelle étape.
Nouvelle étape importante. Le passé qui tente de revenir ou en lien avec le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En lien avec une femme par rapport à une femme. Une situation du passé que vous réglez. D'accord? Un détachement. Ça peut être, comme tout à l'heure, hein, notion d'automne. Donc, ça peut être par rapport à l'automne. Mais notion de détachement, notion de lâcher prise. On vous dit, il y a un lâcher prise à venir pour une femme, par rapport à une femme, par rapport à une situation passée. Il y a un lâcher prise nécessaire. Il y a une prise de recul pour prendre une décision et passer à l'étape supérieure. Voyez, quand tout à l'heure je vous disais, regardez, elle tombe exactement sur elle. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont voulu vous hypnotiser. Hein. On vous dit, notion de masque qui ont été portés. On vous dit que il y a certaines personnes qui n'ont pas été claires avec vous. Donc, les masques tombent. Hein. Les secrets, vous voyez, le masque et les secrets. Les secrets arrivent, les vérités arrivent. Hein. Après, je pense que c'est ces vérités-là aussi qui vont vous permettre de passer à l'étape supérieure sans regret. Hein. Donc, message reçu, pas de souci, les informations arrivent à vous. Toutes les pièces du puzzle se remettent en place. C'est ça en fait, hein, d'accord? Et on vous dit derrière que ces informations, elles peuvent venir aussi autour d'une table. C'est l'énergie qu'on avait, tout à l'heure. Il y a une invitation entre guillemets à venir, donc ça peut être des informations qu'on vous donne comme ça, hein, autour d'une table, et on vous dit que derrière, ça vous apporte la joie et l'harmonie, et on vous dit encore, hein, en d'autres decks, d'être à l'écoute de soi, donc ça, c'est pas pour rien, donc moi, je vous dis, les choix à venir, ils viennent de vous, là-dessus, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre le grand oracle de l'amour, et on va voir ce qu'on a pour vous. Vraiment notion de choix, hein. C'est un choix important qui vous attend pour passer à l'étape supérieure, vous. Hein. D'accord? Donc, faites ce choix en votre âme et conscience, j'ai envie de dire, pour retrouver un équilibre. L'amour. Donc, regardez, vous avez un cœur ici, un cœur ici. Hein. On vous dit, l'étape supérieure, elle est positive pour vous. Elle vous permet la guérison, hein, d'accord? Quel que soit le domaine, on va vous guérir de cette situation. On est sur quelque chose avec la notion d'attraction. Donc, on est sur une situation où vous allez attirer de nouvelles personnes. Mais il y a aussi des personnes du passé qui veulent revenir. Regardez, quand je vous dis des personnes du passé qui veulent revenir, on dit le regain avec le temps. Donc, il y a des revenants. Hein. Il y a des revenants. Après, voilà, hein, vu qu'on vous passe, on vous parle, pardon, d'étape supérieure, ne laissez pas tous les revenants venir habiter votre maison. Hein. Il y a des revenants qui restent bien dans le placard, surtout, hein, qui n'hésitent pas, hein, parce que... Je vous dis, hein, le choix, on vous dit, entre guillemets, la difficulté, ou en tout cas, ce que vous devez travailler par rapport à ce choix, c'est cet avant et cet après. C'est un choix qui vous amène vraiment à une nouvelle étape. Et on vous dit, hein, quelque chose qui va vous équilibrer. Notion de justice aussi. Hein. Donc, on est encore sur cette énergie qu'on avait avec le donner et le recevoir. Vous avez besoin de quelque chose de plus équilibré. Un équilibre à venir suite à des trahisons. Hein. Certains vous ont scié la branche, comme on dit. Hein. D'accord? Savonner la planche, scier la branche. En tout cas, voilà. Hein. Et on vous dit que ça, c'était lié à des jalousies. Hein. Trahison par rapport à des jalousies. Donc, certaines personnes se sont mises en rivalité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un environnement qu'il va falloir quitter. On va regarder, on va essayer d'en savoir plus sur ces trahisons et ces jalousies. On va voir ce qu'on a. Alors. On vous dit de faire le choix de passer à l'étape supérieure quand même. Hein. Là, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a de nouvelles rencontres plus positives à venir pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ces jalousies pouvaient être liées aussi à une notion d'abondance, de comparaison les uns les autres. Vous voyez, donc peut-être des personnes qui n'avaient pas du tout envie de vous laisser une part du gâteau. Alors...
La carte de la fidélité, pour moi, c'est aussi la carte, pour moi, ça rejoint aussi l'énergie qu'on avait sur le grand oracle, c'est-à-dire qu'on avait les lierres tout à l'heure, on les a ici, fidélité, trahison, bah écoutez, hein, la fidélité a été trahie, quel que soit le domaine, et puis surtout, il y a certaines personnes avec la carte du lierre qui ont été mettre leur nez là où on ne leur a rien demandé, d'accord? Un départ. On quitte une situation. On quitte une situation, on prend un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il se fait pour moi une fois que vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, les pièces du puzzle. C'est-à-dire que vous allez avoir les pièces du puzzle pour pouvoir vous reconstruire ailleurs et autrement. Donc ailleurs et autrement. Et on vous dit, hein, notion de séparation pour retrouver une flexibilité. Donc on est vraiment sur cette souplesse qu'on doit retrouver, sur cette marge de manœuvre. Pour moi, l'étape supérieure, c'est celle qui vous rend libre. On vous dit qu'on va faire tomber les masques. Donc on est encore sur cette notion de masque. Hein. Et on vous dit des masques qui vont tomber aussi par rapport à des engagements. Alors bien évidemment, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi des engagements professionnels, financiers, amicaux. Il y a les masques qui tombent par rapport à ces engagements. Et c'est ça qui vous permet de passer à l'étape supérieure parce que vous allez faire des choix et derrière il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. D'accord? Donc vraiment là on est sur cette énergie de choix qui vous attendent et pour moi vous ne serez pas, j'ai pas le ressenti de quelque chose qui se fait la mort dans l'âme. Moi j'ai plutôt l'impression que la seule entre guillemets difficulté ou ce qui pourrait vous tirailler un peu, c'est que vous avez conscience que ce choix amène un avant et un après. D'accord? Donc on va regarder la suite avec des petits messages. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-ci, le jeu du destin. Regardez ce qu'on a. Oups là. Alors lui, il a envie de parler là. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bon, il y a déjà une qui tombe. La force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. C'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure. Le choix à venir doit venir de vous. D'accord? Et vous devez le faire avec force et maîtrise. Mais c'est vous qui devez le faire. Ne laissez personne vous dire, moi, à ta place, ceci, cela. Que vous vouliez recueillir des conseils, ok. Mais par contre, le choix, c'est avant tout avec vous qui doit résonner. Et on vous dit, hein, quelque chose qui peut être difficile au niveau de ce choix avec la carte du vol. Vous voyez là les petits rats, on vous dit quelque chose qui a pu vous ronger, mais on vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Vous passez à l'étape supérieure, vous allez être responsable de cette nouvelle étape et faut le faire avec grand bonheur et confiance. D'accord? Notion d'ami, hein, encore une fois, et on vous dit que, il peut y avoir eu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trahison par rapport à un entourage. Professionnel, familial, peu importe. Et on vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. On va vous mettre sur une croisée des chemins pour passer à l'étape supérieure. Ça, c'est clair, net et précis. On vous parle encore de la notion de santé, donc quelque chose qui a pu vous rendre malade. Hein, et on vous dit votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. MAUX, ok? Donc il faut vous écouter. Faut pas vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Hein. D'accord? Et on vous dit, la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. On vous dit que vous avez les clés, vous aviez déjà tout à l'heure cette notion de clé. Donc la clé, elle est en vous pour faire ce choix. Donc allez creuser et allez chercher ce choix. On vous dit, hein, comme je vous disais, là, la carte de la famille qui tombe sous les amis. Donc comme je dis, hein, notion de clan. Et on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. On est vraiment en train de vous dire que cette étape supérieure, elle vient de vous. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder, hein. L'indécision. Vous voyez, on a une décision à prendre. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'indécision. On vous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. On va vous envoyer des signes pour pouvoir faire ce choix de manière éclairée, avec discernement, et pouvoir passer à cette étape supérieure de votre vie. Donc, vous regardez les signes et puis voilà, hein, les choses vont se faire. On vous dit, hein, la dame de cœur et la trahison. Donc, pour certains, par rapport à une femme, pour une femme, moi je dirais, voilà, hein, c'est pour moi que vous soyez un homme ou une femme, cette dame de cœur, c'est vous qu'elle représente. On vous dit, vous avez donné, vous voyez, vous, vous êtes là, vous donnez votre cœur, derrière vous avez quoi? Vous avez la pomme qui est pleine de vers là. Donc, on a vraiment l'impression
que vous avez donné, et c'était l'énergie qu'on avait tout à l'heure, à des gens qui, eux, voilà, hein, vous leur avez tendu la main, vous, eux, ils ont essayé de vous la mordre. Mais on vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On vous dit, vous, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à la gentillesse ou à l'amour que vous avez donné. Et on vous dit d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Passez à l'étape supérieure de votre vie, quel que soit tout ce qui a pu se passer, on vous dit que c'était juste. C'est ce qui vous a permis cette élévation, cette évolution de l'âme et du cœur. D'accord? La justesse. Vous voyez? On vous dit, oubliez-les. Pourquoi on vous dit de les oublier? Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre avec la carte de la justesse. Mais surtout, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ok? Donc, la justice divine est avec vous. Donc, on va vous envoyer les signes nécessaires pour pouvoir remettre en place ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Et si certaines personnes n'ont pas aujourd'hui, voilà, hein, si vous n'avez pas eu une reconnaissance par rapport à certaines personnes, c'est pas grave, next, passez à autre chose, avancez, laissez le temps faire son œuvre. Les événements se mettent en place lorsque le moment juste est venu. Voyez, on vous dit la justesse et le temps. Laissez le temps faire le job. Faites-vous ce que vous avez à faire pour vous libérer de ces chaînes. Parce qu'il y a vraiment une notion de chaîne dont vous devez... que vous devez quitter. Et on a encore cette énergie avec la sagesse, un choix qui doit se faire avec votre sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc, les décisions à venir, cette étape supérieure qui vous attend, c'est du dedans. Ok? Allez, on va regarder quelques petits messages, on va voir ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre maintenant? Ça, c'est bon. On va prendre celui-ci déjà. On va voir ce qu'on a. Bon, ben, écoutez, hein. Elle sort toute seule. Purifier, rafraîchir, liberté. Quand je vous dis ce choix, cette étape supérieure, c'est celle qui vous permet d'accéder à la liberté dont vous rêvez, à laquelle vous aspirez. Vous purifiez quelque chose et vous vous déployez comme cette jeune femme. Là, vous voyez, la carte, elle est là. Elle passe du gris à l'arc-en-ciel et elle laisse derrière elle le gris. Elle part vers un ciel plus clair et plus clément. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. La transformation avec le papillon, le changement, la transformation, la croissance, déployer ses ailes. Vous voyez quand je vous dis que ce choix, cette étape supérieure, elle va vous rendre plus libre. Vous allez gagner en liberté. Donc oui, il y a un avant et un après, mais vous quittez une situation qui vous a enchaîné quand même. Hein. Notion de choix à venir. Donc on vous dit, hein, croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc encore cette notion d'avancer. On vous dit quelque chose qui va vous apporter. Alors donc, ça peut être un cheminement au niveau spirituel, etc. Donc une notion de travail que vous avez fait pour vous, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié au professionnel, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a quelque chose qui doit fructifier et ça fructifie dans vos mains. Vous voyez là, l'organisation des choses à venir, là vous avez les deux mains, vous avez donc une fleur au cœur des mains, et puis là vous avez plein de petites abeilles qui butinent. Donc on est sur quelque chose avec... des associations à venir pour vous, mais par contre, elles se font de manière libre. Vous gagnez en liberté. Là, les abeilles, elles ne sont pas enfermées. Elles butinent et elles font ce qu'elles ont à faire. D'accord? Donc, c'est ce qui va vous arriver aussi par rapport à ce que vous attendez. C'est vraiment une étape qui vous mène à cette liberté. On vous dit, vous quittez quelque chose. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, notion. Alors, la carte de l'hiver, ça peut être lié à l'hiver. Ça peut être lié à quelque chose qui était resté en stagnation. Mais pour moi, cette carte, c'est aussi la carte de la célébration. Il peut y avoir un choix à venir autour d'une fête du calendrier, d'accord, par exemple. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, vous projeter, revivre dans le présent, donc on quitte ce passé. Ce passé qui a été plein de mensonges, hein, parce que je vous dis, hein, on vous dit quelque chose qui a été compliqué à affronter avec la carte de la déception. Et derrière, on vous dit que vous vous rouvrez à une énergie divine avec la carte de l'univers. Vous avez la même, vous voyez, vous avez un peu la même posture sur ces deux jeunes femmes qui, voilà, qui se ressemblent d'ailleurs. Hein. Donc, on est sur quelque chose où on lâche et on part sur une énergie beaucoup plus libre et en connexion avec vous-même. Hein. Et là, vous avez quoi? Vous avez la carte du guide. Donc, on vous dit qu'on va vous envoyer des signes. Et on a, avec la carte du printemps, le nouveau départ et la renaissance. Donc, écoutez, hein, je crois que les choses sont claires. Hein. Choix à venir pour passer à l'étape supérieure. Une étape qui vous rend plus libre et une étape donc qui, voilà, hein, qui vous permet de quitter une situation enchaînante. Alors, on va essayer de voir un petit
conseil avec des réponses angéliques. On vous dit que dans un an, la situation sera complètement différente de ce que vous avez vécu là. Demandez de l'aide aux autres. Donc, on vous dit de voir aussi, hein, notion de guide, notion de quelque chose où vous devez sonder ce qui est bon pour vous. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, vraiment, on n'est pas du tout sur quelque chose de négatif. Et on vous parle, hein, de relations profitables à venir. Donc, on change de contexte. Il y a quelque chose qui change, hein, ok? Allez, on va prendre encore 2-3 petits messages. Et après, je vais vous laisser tranquille. Jusqu'à la prochaine vidéo, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fait de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous avez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, c'est exactement cette énergie. On vous dit, vous allez prendre votre barque là et allez voir ailleurs ce qui se passe. Vous faites de la place, vous sortez ce qui vous encombre et vous partez sur un nouveau départ. D'accord? Donc, on est vraiment sur cette énergie où on laisse quelque chose derrière soi. Et voilà, on fait le ménage et on part, quoi. C'est quelque chose qui est très important et qui va être très, très important pour la suite. D'accord? Donc, on continue avec celui-ci. Mais vraiment, hein, faites de la place pour cette étape supérieure. Faites de la place pour ce nouvel épisode qui vous attend. Il y a un nouvel épisode qui vous attend dans la lumière. Ça, message de nos guides. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Il n'y a que de la paix, de l'amour, de l'harmonie et de la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment, tu me manques. Donc là, vous avez, par rapport aux personnes qui sont passées de l'autre côté, hein, vous avez un message qui vous dit que ces personnes sont dans la lumière, que vous leur manquez, qu'elles pensent à vous, elles sont sur votre chemin. Donc moi, j'ai l'impression, hein, quand même, hein, que pour certaines personnes, hein, y a vos petits anges, hein, qui vont vous envoyer des messages. Et on vous dit « je t'aime ». Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons moments comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire simplement que je t'aime très fort. Vous allez avoir, pour ceux qui sont sensibles à ça, des messages de vos êtres chers, de vos êtres disparus. Il y a des choses comme ça qui vont se poser. Je ne suis pas du tout étonnée que ça tombe comme ça aujourd'hui, hein. Moi, je le ressens comme ça, donc... voilà, vous allez avoir des messages et on va vous aider, on va vous guider. Donc, demandez à vos anges, demandez à vos êtres qui sont passés de l'autre côté, mais qui sont toujours là. N'oubliez pas qu'ils sont toujours là. Il suffit de voir les signes qu'ils nous envoient et je peux vous assurer qu'ils sont toujours là. On vous dit, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Cette décision à venir, vous voyez, on avait ici vous avez une barque. Ici, vous avez le message de vos êtres chers. Et ici, vous avez un petit bateau de papier. Là, vous savez, le truc, les petits bateaux de papier, là, comme les enfants. Et en fait, cette carte, elle est dans la même énergie que celle-ci. Là, on vous dit de faire de la place. Là, on vous dit de partir en voyage. Entre-temps, on a un magnifique message des êtres chers. Mais c'est surtout qu'on est en train de vous dire, là, aujourd'hui, prends du recul. Aère ton esprit. Et prends cette décision de passer à l'étape supérieure en laissant derrière toi ce qui t'encombre. Parce qu'on sent bien qu'il y a une décision qui doit être prise. D'accord? Allez, encore 2-3 messages. C'est émouvant, là, ce message. Ouais, je trouve que c'est beau. Voilà, allez, on continue. On va regarder un petit message avec l'oracle, la lunologie.
des ajustements nécessaires. Donc vous allez remettre des choses, des cartes pour passer à cette étape supérieure. Et c'est le nouveau début d'un nouveau cycle romantique, un nouveau cycle à venir pour vous. Donc on est vraiment sur cette étape supérieure que vous allez passer. Donc ne vous inquiétez pas, faites les choix avec le cœur. Laissez la logique derrière et allez vers ce nouveau départ, cette étape supérieure, ce chemin parcouru. On vous dit soyez volontaire, hein, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc vraiment, faites-vous confiance, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. On est vraiment en train de vous dire qu'il est temps pour vous de vous faire confiance. Et on vous dit, avec la loi de l'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous êtes le capitaine de votre navire, donc ne l'oubliez pas, ne l'oubliez plus et avancez. D'accord? Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des anges. Et ensuite, je vous laisserai tranquille jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La priorité, c'est vous. La première marque de compassion que vous devez exprimer, c'est pour vous-même. L'étape supérieure que vous allez passer, elle est positive. Ce que vous laissez, c'était quelque chose d'encombrant. Donc, allez-y, mais vraiment, on vous dit juste, soyez bienveillant envers vous-même, soyez dans cette compassion. Et là, on vous dit que derrière, on va vous combler de chance. On vous dit quand même ici, l'univers te répondra automatiquement. Juste avant, vous aviez la carte de la loi de l'attraction. Donc, vraiment, visualisez et vibrez ce qui est bon pour vous. Et derrière, on vous dit que vous pourrez passer cette nouvelle étape avec brio. D'accord? Donc voilà, cette guidance intemporelle et générale est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Je vous attends bien évidemment en commentaire. Et puis, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.